Ou alors vous êtes un petit peu stressé? Oh, ça va. Top. Non, je rigole, je tremble du cher, j'ai trop froid, putain. N'empêche, l'intuition de la force me dit que Scott doit être un bon adversaire. Ah, je te le fais pas dire, hein. Je pense que là, je pense que vous deux, vous avez fait des petits tests dans le groupe du tournoi et Ouais. apparemment, vous étiez tous les deux au top, hein. Donc je crois que là, on aura droit à un énorme combat. Bon, Allez. bienvenue dans votre bataille intergalactique. Là, Merci. on a du lourd. Là, on a du lourd. Scott et Rexoprod, ils se sont entraînés. Là, je peux vous dire qu'il y a du très, 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 très lourd. Je sais pas si ça va aller loin, mais en tout cas, je sais que ces deux-là, je les ai vus à l'œuvre. Je les ai vus répondre à certaines questions et je sais qu'ils sont très forts. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est là. Ah, ils sont chauds, ils sont stressés. En plus, ils savent qu'ils sont bons l'un l'autre, donc ils Je stressent. En me plus, moi, sens. j'ai vu leurs questions. Alors, ça promet. Je me sens Rocky Bon. Balboa là. Bon, on va essayer de d'éponger ce stress en commençant directement les questions. Et puis bon, on va commencer doucement, comme d'habitude, avec le niveau apprenti. Attention, première question. Féroces petits guerriers à fourrure. Ils se servent de la forêt pour traquer et piéger leurs ennemis. De qui s'agit-il? 1. Des Hutts. 2. Des Ewoks. 3. Des Stormtroopers. Alors, attention, il faut me répondre en privé. Pas sur cette conve-là, hein. Répondez-moi Moi, bien c'est en fait que privé. je dis. De fait. 5, 4, 3, 2. Rexo, il me faut une réponse. 1. Rexo. Voilà. Nickel. Bon, là en même temps, je pense que même avec ou sans Google, on s'en fout. Donc je crois que là, vous êtes d'accord. Des Attends, Ewoks. mais j'ai Un pas le temps d'aller point sur Google chacun. alors. Ouais. Deuxième question. Niveau site. Bon, on va y aller doucement là, parce que déjà celle-ci, pareil, il y a trois propositions. On va voir. Alors, quelle phrase concernant le Faucon Millenium est exacte? Le Faucon Millenium est un ancien chasseur de Naboo. Il est illégal pour un vaisseau de la taille du Faucon Millenium d'être si lourdement armé. Le Faucon Millenium est équipé de 30 canons blaster rétractables. 5, 4, 3, 2, 1. Rexo, il me faut une réponse? Ok. C'est bon, j'ai eu la réponse. Alors attendez, je vérifie quand même la réponse parce que moi je pense que je savais, mais j'étais pas forcément au Je courant. pense que c'est En la tout réponse cas, 2. vous avez mis tous les deux la réponse 2 et c'est effectivement la réponse 2. 2 points chacun. Bravo. Bien joué, garçon. Bien joué, toi aussi. Là, c'est tendu là, mais je crois que franchement, la dernière question, moi mais je ne sais pas du tout la réponse. Là, je viens de voir la réponse. Il va falloir être très précis. Lis-la-nous, Il va falloir être très précis, vous devez écrire à la lettre près. Hein. What? Franchement, bon courage. Mais Allez, dernière si c'est question. long, moi je suis pas une machine au téléphone. Non, non, mais c'est pas grave. Si je sais que vous écrivez, de toute façon, je vais vous Vas-y. laisser aller. Au pire, 10 Bon bah écoute, secondes. Scott, si tu veux, tu peux déclarer forfait, hein. Ah, ça y est, ça commence un petit peu. Hein. Bon, on arrête la Jamais. pression. Niveau seigneur noir, la question est très courte. Alors c'est parti. Quel est le modèle du Faucon Millenium? 5, 4, 3, 2, 1. Allez, je vous laisse encore quelques petites secondes. Ok. Qui abandonne ici? Ok. Alors, est-ce que j'accepte? Est-ce que tu aurais possibilité de détailler juste un peu plus, Rexo? Bah, il me semble qu'il s'appelle comme ça, non? Ouais, mais est-ce Tu qu'il y a un sais, autre. Rexo! Est-ce qu'il y a un autre nom? Ah, Je pense attendez, que je vais attendez. accepter. Je pense que je vais vous l'accepter, hein, mais. Parce que. Bon. Je crois que j'ai confondu peut-être, attends. Non, 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 mais je te demande pas de changer ta réponse. Non, non, mais ta réponse est bonne. Je dis juste que. Bon, Ah, si tu bon, peux compléter. d'accord. Je pense. Non, mais je vais vous l'accepter. En fait, c'est bien. C'est cargo léger qui te manquait, mais bon. Le modèle, c'est YT-300. Ah ben Donc. voilà. Bon. Non, non, mais je vous l'accepte. C'est juste qu'en fait, Scott, il a mis YT-300 et cargo léger Ah d'accord. et Rexo, voilà. Donc, J'avais juste pensé direct à son nom de mais code, hein. attends, mais attends, attends, attends. Attends, je suis en train de voir un truc là. C'est qu'en fait, Rexo, il m'a mis YT-300. Et Scott, il m'a mis YT-1300. C'est bien 1300 la réponse. Ouais. Et la réponse, c'est bien 1300.
Oh non. Donc Rexo il s'est gouré. Attendez, j'avais pas vu ça tout de suite. Moi je regarde la réponse, c'est 1300. On a dit un point chacun. Ah ouais, mais bah là non. Ça change tout. Ça change. C'est 1300, c'est pas 300. Mais ça change tout, mon garçon. Je vous le montre. Oh merde. Voilà. Il mentait juste à ça, c'est bon. Et pour pas mentir à ceux qui regardent, voici la réponse de Rexo. YT 300 et Scott il a bien mis YT 1300 et en plus il a rajouté cargo léger. La réponse était bien cargo léger YT 1300. Ouais, le point du mérite. Allez. Donc là franchement ouais, je crois qu'il le mérite complètement. Voilà, c'était sur un petit tête, désolé, j'avais pas vu tout de suite franchement la réponse, mais... C'est pas grave, allez. Bah écoutez, dès que j'ai vu les réponses tout de suite... J'aimerais faire des petites dédicaces. Ah, attends, je vais quand même faire comme d'habitude, je vais annoncer quand même le gagnant. Le gagnant, c'est toi, Scott, bien joué. Bravo. Ah ouais, sur trois questions, là, elles étaient fatales. Bon, fais ta petite dédicace si t'en as une. Alors, écoute. Je vais faire une dédicace à Amaury PSAS, le groupe où on va se retrouver en finale. Pimix, le champion qui a déjà gagné. D'ailleurs, on va se retrouver aussi en finale. On va faire une finale à 3, c'est simple. Et puis Steven qui veut plus participer au tournoi, malheureusement, mais dans le cœur, PSAS. Oh, le tournoi n'est pas encore terminé. Peut-être qu'il reviendra sur la fin, on verra. Moi, j'ai foi en lui. Bon, mais en tout cas, le message est passé. Rexo, un petit mot? Je sais pas si t'as un petit mot. Tricheur. Non, je rigole. Bien joué, Scott. Bien joué, Rexo. Bien joué. On n'a pas pu voir tout l'étendue de votre connaissance. Mais Scott, ouais. On aura peut-être l'occasion via des futures questions. Voilà. Ouais, mais mon intuition de la force ne s'est pas trompée. Scott était un bon adversaire. Ah oui, alors là, je n'en doute pas. Bon, écoutez, c'était un bon petit combat, un bon petit match. Si vous avez un petit dernier mot à dire, je sais pas. Bah écoute, bien joué, merci pour le match. Mais avec plaisir. Et bien joué encore à toi, Scott. Toi aussi, bien joué. Oui, merci. Eh bien, c'est cool de voir autant de fair play. Je vous en remercie, je vous remercie de votre participation. Et comme d'habitude, allez, on va faire le au revoir habituel. Scott, si tu veux faire ça avec moi, avec la main. Je vais tenter. Je vous souhaite de bien tenir vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Salutations.